Set, go. Ok, salute à tous et à toutes les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft Skyrim, le numéro 13, si je ne m'abuse. Salut Suzy, comment ça va? Ouais, je sais que t'es belle. Ouais, mais bon, t'as pas beaucoup de phrases à raconter dans ta vie, toi. Tu dis, ouais, t'es belle, et arrête de me flirter, tout ça. Avoue que tu m'aimes bien. Avoue que tu m'aimes bien. Oh, yeah. Ceci étant fait, nous avons un problème avec Richard. Notre ami Richard. Richard qui se trouve dans la ville des neiges, et je suis très heureux d'y aller, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller, mais que je trouvais pas d'occasion. Et c'est l'occasion. Enfin, l'occasion est rêvée. Nous allons donc prendre notre Fairies, qui se trouve à Faistouf. Récupérons ceci. Hop. Oui, je sais, j'ai un ami pour toi, Fairies, mais je t'attendrai un petit peu. Je ferai probablement spawner dans une maison, comme ça au moins j'aurai un cheval dans une maison. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Donc, nous allons aller dans la ville des neiges, la ville des neiges qui est par là-bas. Voilà. Ceci étant fait, j'espère que cette série vous plaît, parce qu'elle n'est pas finie encore, parce que dans le dernier épisode, nous avons eu un spoil de la part du créateur de la map lui-même, qui nous a dit gentiment qu'il te reste des quêtes de l'homme-cheval à faire. Et oui, en effet, il me reste des quêtes de l'homme-cheval, parce que, pour finir donc la map... Avec la dernière quête, il me faut finir la quête de l'homme cheval. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai même pas entamé. Donc on a encore quelques épisodes. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont tristes à l'idée de voir cette série s'arrêter. Parce qu'il reste qu'une seule quête au truc principal. Mais rassurez-vous, il va rester encore au moins 2 ou 3 épisodes encore. Je sais que c'est pas pour rassurer la plupart d'entre vous qui... Je préférerais des séries qui durent centaines d'épisodes, mais je peux pas faire tout, hein, c'est pas possible. Une centaine d'épisodes risque d'être un peu chaud, hein, mais ce n'est pas un Skyrim, hein, si vous voulez. Je ne suis pas parti pour attraper le Let's Play de Bob Lennon, qui en est à 300 et des brouettes, hein, j'en sais plus. Je compte plus, j'ai arrêté de compter. Ah voilà, c'est toi que j'avais pas parlé en plus, hein, la dernière fois. Ah non, mais toi tu me donnes juste pas de découverte en fait. Je peux pas me téléporter ici. Je peux me téléporter ailleurs mais pas... Sors d'ici toi. J'ai pas récupéré la S. Si j'ai récupéré la S, je vais t'accrocher ici. Voilà, parfait. Hop. Descendons ici. Je ne sais plus comment s'appelle cette ville. Bah, elle s'appelle quelque chose. On s'en fout, elle est mis du nom. Salut. Good morning, ich bin Rodolphe. Comment est-ce la casa? Bah, very good. Very good et you. Quartinbach Prison. Cool. Je crois que j'avais fait. Hein. Il me semble que j'avais fait. Je vais récupérer des baraquettes pour Drato. Non, j'avais pas fait. Ouais, je vole toujours les petites pièces. Parce que bon, je sais qu'on n'est plus à ça près vu l'argent qu'on a. On est full protecteur Farinor. Mais bon, écoutez, je suis comme ça. Moi, j'aime bien tout récupérer. J'ai toujours été comme ça. Hello. Zoldan Magnor. Hello you. Bonjour toi. Zoldan Magnor. Ok. Donc il y a un truc sur lui. On va le lire. On va le lire tranquillou. Alors. Zoldan Magnor. Prisonnier. Non. Zoldan Magnold. Name. Zoldan Magnor. Arge 37. Il est né à Morrowind. Il a été emprisonné pour 69 ans. D'accord. Bah écoutez, c'est juste une référence à Morrowind, probablement que je ne comprends pas parce que je n'ai pas joué à Morrowind. J'ai joué qu'à Skyrim. Et je suis... Je sais pas si je suis un mauvais garçon à cause de ça, mais... Non, je n'ai joué qu'à Morrowind. Je n'ai pas joué à Morrowind. J'en suis déçu, hein, d'ailleurs. J'ai joué à Skyrim un petit peu, pas beaucoup, mais ouais, j'ai joué quelques heures, quoi. On va dire, je l'ai recommencé 2 fois surtout et j'ai jamais fini. Non. Bref. Nouvelle quête.
Alors, oh, bonjour. C'est une sorte d'église? Ah, bas de gamme église. Nous sommes les Holy Protector. J'ai quelques interrogations. S'il vous plaît, nous sommes là pour aider la ville. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, quand il me parle, il pourrait me tuer. Est-ce que vous pouvez nous aider? Soon Dangerous, ok. Oh, merci. Notre Holy Protector. The Horseman. Oh, yeah. Il faut trouver les quatre centaures de l'Apocalypse. Ce sont des dieux qui sont réels. Ils nous protègent, mais ils nous forcent à faire des échanges ou du business. Alors, c'est quoi leur prix? C'est eux qui sont le prix. Nous avons été torturés pour tout le monde. Nous sommes leurs jouets. Nous sommes morts. Je suis le plus fort des mages de Grudge Match. Mais je n'arrive pas à le... Ouais. Je dois rester à la même place 20 heures par jour. Parce que je suis désespéré. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je suis désespéré. Je suis dépressif parce que j'ai perdu tous mes vieux pouvoirs. Quand les Daedra... Ok, faut que je tue le dieu quoi, en fait, tout simplement. A big request. Il faut que je tue la mort, voilà, exactement. Voilà, bon bah ciao les amis, on se retrouve. Et ce n'est pas impossible de tuer la mort. Il vit dans une... Je sais où il habite. Ok, donc c'est ça la fameuse quête du Horseman. Apocalypse Take Horseman. Voilà. Donc je l'ai trouvé cette fameuse quête. J'aurais pu trouver ça d'ailleurs avant. Si j'avais bien fouillé avant. Bonjour, Jana. Alors, ceci est Lucia. Hello Lucia. Non, je ne peux pas mettre mon statut pour une pièce. Donc, bah du coup, on est un petit peu... Grog. Pourquoi tu ressembles, Grog? T'es moche? Bon, d'accord. Ouais, oh, j'aurais peut-être pu prendre ça, parce que je suis tombé en banque de pouf dans pas longtemps. Deux petites piécettes. C'est très sympa comme endroit, j'aime bien l'idée. Oh, une améthyste. Je fais bien de fouiller dans les coffres, hein, des fois. Et du fer. 33 fer. Je vais pouvoir me crafter une armure aussi. Ça ne sert à rien, mais je pourrais. J'ai pas dit que je le ferais, mais je peux. Et je vais monter ma saturation. Voilà, comme ça c'est fait. Alors. Salut. Salut. Stuart Giliana. Jarl von Kulten. Happy Faliams. Non! Ça c'est Pharrell Williams, tout simplement. Faliams. Et Happy, c'est parce que c'est le titre de sa chanson. Si vous ne le savez pas, si vous le savez pas, je sais pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas sur Terre depuis combien de temps? Qui êtes-vous? Ce sont les Martiens qui vous envoient, c'est ça? Hein? Je le sais, c'est un complot. Complot de la CIA. Voilà, donc bien sûr, vous connaissez Pharrell Williams, hein? Qui ne connaît pas Pharrell Williams? Jamais dit que j'aimais, mais qui ne connaît pas?
Et jamais dit que j'aimais pas non plus. Ah ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez le titre Happy de Pharrell Williams? Oui, là par contre c'est pareil comme dans le dernier épisode, vous n'allez pas me dire oui, Happy c'est cool. De quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non, il va falloir me dire ouais, je répondais à ta question, machin, oui, Happy, le titre de Pharrell Williams, c'est sympa. Comme ça je m'en rappellerai, peut-être. Bon, il est où ce Richard là? Sérieux? Toi Richard? Hé, Richard! Hé, Richard! Il est où ce Richard? Je suis sûr qu'il est dans cette maison là. Bonjour Richard! 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 Où es-tu? Où es-tu? C'est toi Richard? Non, toi t'es Sony, toi. T'es Sony. Wesh. Moi je suis Sony, moi. Richard! Où es-tu? Mon petit Richard! Yeah! Welcome to Ghostmatch. Je suis sûr qu'il vit dans la forêt, là. Ou alors ça c'est le chemin pour sortir. C'est le chemin pour sortir. Mais bordel, où il habite ce Richard? C'est bien ici, hein, de toute façon, on est d'accord. Protector of Arenor, message from air. Location Stronghold in... Stronghold? Comment ça, Stronghold? Oui, bon, d'accord. Vous auriez pu me dire que c'était marqué, que j'aurais pu savoir lire et que machin... Mais Stronghold? Il est dans le Stronghold, donc ça doit être sous terre? J'ai jamais su ce que ça voulait dire Stronghold. Moi j'avais compris hold je sais pas. Oh, il vend des trucs sympas lui. Bon, dommage que ce soit pas très intéressant, mais enfin, les skins sont sympas, mais après The Legacy. Comment je descends au Stronghold? Ça doit être là-dedans, hein, je pense. D'accord. D'accord. Oui. Brad the Babou. Brad the Babou. Ok. Oui. Pourquoi pas. Brad the Babou. J'ai jamais vu de nom aussi ridicule, je crois. Brad the Babou. Je ne sais pas où est le Stronghold. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Pestilence. Mort. C'est tranquille chez toi. Hein. C'est... Famine. Guerre. Ouais. Toi t'as l'air d'être un mec qui est assez chelou hein, dans ta décoration intérieure, tu vois. Moi c'est pas le genre de truc que je mettrais, mais après chacun ses goûts. Mais comme je te dis, moi je cautionne pas quoi. Salut, tu sais où est le Stronghold? Hey oh. Hello Peter. Peter, I'm Peter, a human. Bien sûr. Hello, I'm Peter. Hey, man. Non mais sérieux, là c'est pas marrant. Où est-ce qu'il est ce Stronghold? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de... Bonjour. Qu'est-ce que tu gardes en fait là? Tu m'expliques? Oui. Oui, bien sûr. Alors le seul truc qui descend c'est les prisons. Alors, on va voir, peut-être que je l'ai pas vu. C'est peut-être là, tu vois. Mais ce serait con pour un mec qui est recherché par les protecteurs d'Arénor de se cacher dans une prison, mais... Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas là. Attends, c'est le seul truc qui descendait, quoi. Bah là je suis un peu paumé je vous avoue
Ice Dream. C'est toi qui l'as caché. Mais où es-tu? Mais où es-tu? C'est un Enderman infiltré. D'accord, because I'm happy, I'm alone, give you a pill. D'accord, j'arrête, c'est bon, j'ai compris. Clap along, give you a pill. Là, je suis un peu paumé, là. Mais, je sais pas, y a pas genre une maison où... Because I'm happy. Je sais vraiment pas ce que je dois faire là. Je suis paumé. Est-ce que c'est near off ou c'est directement dedans? Parce que là je... Message from here. Location stronghold in the Grandmas Forest. Forest. Apprendre à lire. Mais apprendre à lire. Tout simplement. Là il faut me taper là. Hein, je... Tout simplement, je... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est Slenderman. C'est classe. Oh, je viens totalement exploser Slenderman. C'est pas grave. C'est marrant. J'aime bien, moi. J'aime bien l'idée. Slenderman, là, comme ça. Because I'm happy I'm long give you. Oh, j'arrête de chanter, oui, je suis désolé. Frozen Corpse. Oh, tu te calmes. Je vais suivre les torches. Elles amènent bien quelque part. Si elles amènent à la sortie, elles amènent à la sortie. Richard. Richard, où es-tu? Richard. Oh. Richard. Richard, où es-tu? Tu sais que je vais te trouver. Où es-tu caché? Richard. Richard. Ah oh. Un Kand Rider. Bah, ça faisait longtemps, tiens. Ah, ouh, ah, ouh. Il y a beaucoup de monde là. Ouh. Ah. Ah. Mais ça fait mal. Un anneau Rider et un Saphir parmi les 34 que j'aurais pu vendre à Monsieur Happy là. À Monsieur Happy. Oh. Ah mais je crois que ça c'est un truc où je dois tuer quelqu'un dedans. Bon je sais pas ce que c'est. C'est pas l'endroit où habite Richard. Mais je vais le faire parce que voilà. Il faut que je fasse quelque chose. Ah c'est une maison de bandits. Wesh. Avec des épaules en bois quoi. Voilà le bandit quoi s'il te plaît. Eh non c'est des battes de baseball. Vas-y, moi je te tire à l'arc, moi. Le mec il m'attaque avec des battes de baseball, moi je m'en fous, je le tire à l'arc. Ah putain, mais mes flèches des fois elles passent pas, enfin elles le font pas reculer, ça c'est... Dodor. Ah mais je devais le tuer lui, Dodor, je crois. Ah ah, Dodor, tu passes pas la porte. Oh alors, Dodor, elle passe pas la porte. Bon alors. Oh bah alors, tu vas faire Dodor. Eh ben voilà, t'as fait Dodor. Mais non, tu fais d'honneur, hein. Oh, ouais, tu fais d'honneur. Où les bandits vont me tuer? Où les bandits vont me tuer? Ouh. Ouh là là. Ouh là là, ils font mal. Ouh là là. Ben voilà, j'ai fait une mission, c'était pas celle que je devais faire. Mais c'est pas grave. J'en ai peut-être une autre. Vous imaginez? Il faut que je sors, faut que je sauve Kuriyame, je crois. Ouh. Ouf, ouf, ils font mal. Ouf, ouf, tu fais mal. Ouf.
J'y vais totalement à la YOLO. Mais c'est vraiment un truc de fou furieux quoi. Ouf. Ouf, tu fais mal. Bonjour. Et ben voilà, j'ai rempli le contrat numéro 2. Ben comme ça c'est fait. Code. Ben voilà, maintenant faut plus que je trouve le... Ben le passage, je pense. Il y a un code, quelque chose comme ça. Bah oui, là. Quel abruti aveugle que je fais parfois. Alors, il faut peut-être que je monte. Eh ben, montons. Montons, montons. Ouh. What do you do here? Ouais. Tac. Attends, je vais peut-être réussir les services secrets sans le vouloir. Ouh, par contre là il y a du monde. Ouh, par contre là c'est... Ouh, c'est violent. Ouh, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Mais non. Mais non, j'ai pas mort. Je suis pas mort. Eh oui. Et j'ai trouvé les codes. Voilà, ceci est fini. Bon, bah j'ai pas trouvé Richard, mais j'ai trouvé ça. Bah, c'est déjà ça. Bah on va continuer à chercher Richard. Hein. On continue à chercher Richard. Comme ça au moins j'aurais pas perdu mon temps. Je suis content, j'ai pas perdu mon temps. Bah, par contre, il va falloir que je trouve Richard quoi au bout d'un moment. Je veux dire, c'est bien gentil de se cacher dans une forêt où il n'y a pas de visibilité, mais. Il va falloir que je le trouve à un moment, hein, tu vois. Parce que j'en ai marre que tu joues à cache-cache quoi. Bah, il est là. Ah bah non. Ah non, ça c'est pas du tout la maison de Richard ça. Ah ouais non pas du tout. Je me suis dit, putain mais elle est si grande que ça la forêt en fait, mais non, non, pas du tout. Il faut que je trouve Richard. Je peux pas passer dessous, je casse, moi je m'en fous. Oh, il a cassé un bloc, c'était interdit, c'était marqué dans les règles. Oh non, je vais lui envoyer un message sur les commentaires et je vais lui dire, ah, t'es qu'un con, t'as cassé un bloc, alors que t'as pas le droit, c'est interdit. Oh putain, il est là. Enfin, enfin. Ouh. Ah. Ok. Alors stop, on se calme. On se calme de suite là. Un demi-cœur. Un demi-cœur, un demi-cœur, un demi-cœur et un demi-cœur. On va claquer quelques potions de Instant Health pour bien pouvoir se regénérer. Voilà. Oui, je sais que je viens de claquer absolument 4 pièces d'or là, mais... Tant pis. Tant pis, c'est la vie. On tape en reculant, on tape en reculant. C'est comme ça que ça marche, niveau 43. Bon, lui, il est con par contre. Voilà. Je sais pas où je vais. Je suis pas censé être là, je crois. Bah si, je suis censé être là, mais c'est pas là. Je crois que c'est une espèce de quête bonus ici, un truc comme ça. Avec un coffre bonus à la fin. Et ce genre de truc là, quoi. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste le chemin classique, en fait. Je m'étais dit, je suis trop un thug, en fait. Je trouve des bonus sans le savoir, mais non, en fait, non, même pas. Même pas, je suis déçu de ma performance. Pouf. Ça regène pas vite. Hein. Waouh, mais tu fais mal. Arrête, tu te calmes un peu là. Non mais le mec quoi. Oh, par contre le stuff des protecteurs d'Arénor qui prend vachement cher quoi. Waouh, Unbreaking 5, que dalle quoi. Hein. Je t'ai dit ouais tranquille, Unbreaking 5 ça passera.
J'aurais pas besoin de recharger après ma... Eh ben non, ça passera pas. Donc au pire j'attaquerai le boss final avec au moins le Vestax. Pareil, hein, vous savez, on n'est pas assez après. Allez, go to the basement. Non, 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 j'ai un demi-cœur les gars. Tu vas te calmer. Je vais faire mon trade. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Je fais mon trade. Vous ne m'avez pas vu. Je bouffe un steak pour me recharger. Tu ne m'as pas vu. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je t'ai dit, tu m'as pas vu. Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour. Alors quand je charge à fond, tu recules pas. Mais par contre, quand je charge doucement, tu recules. Quelle est la logique? Quelle est la logique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Oui. Tout à fait. Tout à fait, oui, je suis dans une période de pétage de câble. Quand je tourne souvent beaucoup d'affilée, là, à un moment, je sature. Ouais, comme l'eau sature, ouais, exactement. Ouais, non, je dis de la merde, voilà. Donc je vais arrêter de tourner après, c'est fini. Surtout quand il y a une grosse session où tu cherches quelque chose et que tu le trouves pas. Et ça, c'est relou et j'aime pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que vous croyez que je vais battre encore une fois l'Under Dragon? Je suis dans le Stronghold. Maintenant. Il est une bête. Ouh, c'est très lugubre ici quand même. C'est très sanglanté. Bon, ceci est un faux coffre, hein, je vous l'annonce de suite. Voilà. Je préfère vous le dire de suite, hein, qu'on se fasse pas... qu'on se fasse pas taper sur les doigts. Ça se voit, c'est dommage d'ailleurs que ça se voie. Ça aurait pu être tellement drôle si c'était... m'a donné un espèce de... Non, c'était une épée badass, mais... Non, point du tout. C'était juste des carreaux. Des carreaux pour mon arbalète. Je ne vois que dalle. Je vais enlever le Shadows. Voilà. Je vois vraiment rien. Hein. J'aime bien prendre des risques. Jouer à un demi-cœur. Vous voyez, c'est cool. Parce que... ce jeu n'est pas assez difficile pour moi. Vous voyez, moi je suis un tag life. Moi je prends des risques parce que voilà, YOLO. J'aime les risques parce que j'aime en prendre, voilà. Je prends des risques parce que j'aime en prendre. Alors, toi tu vas mourir. Que va-t-on savoir à propos de Richard? Quel mystère se tourne autour des culébres. Des culébres, quoi. Des trucs quoi, des serpents venimeux dégueulasses, cracheurs de venin qui m'empoisonnent à chaque fois que... Bonjour la torche. Ouais Et eux ils sont fourbes, ils t'attendent au haut des escaliers. Deux fois je me suis fait avoir déjà. Oh, putain. En plus le poison c'est chiant parce que ça t'enlève des dégâts tout le temps quoi. Jamais t'as le temps de te recharger en fait avec le poison. Je parle plus, je suis désolé. Mon commentaire est pas génial parce que je suis fatigué, enfin pas fatigué mais dans le sens où tourner beaucoup d'affilée et au bout d'un moment on perd un peu la notion du commentaire. Et c'est vrai que là je suis un peu... j'ai un peu perdu la notion du commentaire, alors je vais probablement arrêter après. Après ça, je suis vraiment navré que cet épisode se finisse dans ce silence le plus total. Alors que on arrive à... une période importante de l'histoire à propos de des Seurelan. Ok, waouh. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Waouh, c'était violent.
Je suis mort, donc vous l'avez vu probablement, que je suis décédé. Du coup, on y retourne, voilà. Et je finirai l'épisode là-dessus, sachant que je suis en train de faire des épisodes qui sont vachement longs. Et je m'en rends compte parce que je viens de tourner à partir de 17h, il est déjà 19h, donc j'ai tourné 3h alors que j'ai tourné que 3 épisodes. Bon, sachant que j'ai fait une petite pause, j'ai bu de l'eau, machin et tout ça. Et ça... Oh putain, il respawn, c'est con. Même pas en rêve. Je préfère me suicider, tomber, voilà, parce que là, s'ils ont respawn à l'intérieur, là, je rage quitte. Hein, non, c'est bon. Parce que là, j'en peux plus, moi, c'est... Honnêtement, je vous le dis, hein, moi, j'aime pas du tout ces monstres. Dans le sens où ils sont vachement durs à battre, parce que ils t'empoisonnent, donc du coup, t'es obligé d'attendre, de machin, de trucs. Wow, se calme. Est-ce que je vais vers le haut ou vers le bas? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, c'est bon, je vais vers le bas. Vers le haut, pardon. Pouh, je suis fatigué, moi. Je vais arrêter de tourner après, je dis de la merde. Donc. Ici, nous avons notre petit... Uncle Boss, là, je sais pas quoi, là. S'il te plaît. Tu te calmes, bosseur Uncle. Ouah, tu fais mal, ouah, tu fais mal, ouah, tu fais mal, ouah, tu fais mal, wesh, 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 t'es mort. Où est-il, Richard? Richard est mort. Message from here. Ah, ouais, c'est pour prouver que Richard est un traître, en fait. Richard le traître. Richard le traître. Récupérons le message from here. Message from here. Qu'est-ce que je jetais le carotte? Qu'est-ce qu'il dit, le message de Richard? Je vais vous le lire, on va s'arrêter là-dessus. Alors. Alors. Ok, donc apparemment je suis repéré par par lui et il faut que je sois sur mes gardes parce qu'ils veulent me tuer, parce que j'ai tué Big Mom. Et ils veulent tuer Castiel aussi, donc le vieil ami Castiel, mais il s'en est douté, du coup il m'a envoyé et je viens de prouver que Richard était un traître, ce qui fait que c'est pas bon pour lui, il va se faire casser la gorge, je pense. Je vais aller parler à Castiel, il va lire le message, et on se retrouvera donc dans le prochain épisode. Moi qui pensais pouvoir finir cette map en 3 heures, ce n'est pas possible. Du coup, ben, je suis navré de vous dire que on se retrouve. Enfin, je suis navré. Ou heureux pour certains de vous dire que on se retrouve donc dans le prochain épisode. Et oui, déjà la fin de celui-ci, je crois qu'il a été un peu plus long. Mais je ferai en sorte de peut-être essayer de le raccourcir un poil parce que. Comment dire, la période où je cherche le fort de Richard, il se passe pas grand chose, alors peut-être un accéléré ou un truc comme ça. Parce que là, ouf, c'était chaud quoi. Later, I can believe it. Alors, je peux pas y croire. Richard travaille avec les culèbres et ils veulent me tuer. La clé est finie. Et c'est pour leur fort. Ils l'ont appelé le Léviathan. Mais peut-être que vous pourrez retrouver Richard dedans. Il veut ma mort. Je peux pas... Ok. Donc il peut pas y croire. Il est désespéré. Il veut se suicider. Blablabla. Bla. Richard est donc dans le fort qui se trouve probablement, je pense, là-haut. Au fond. Le fort de lave. Les forts des Culéons. Strong not enough. C'est laquelle? Protector of Arenor. Et donc c'est complete with all world key for the Leviathan. Ah, location surround the lava northwest of Arenor. Voilà. Il faut que je fasse ce fort. Je pense que c'est la dernière quête des protecteurs d'Arenor. Probablement la fin dans pas longtemps du jeu, peut-être 2 épisodes maximum restant. Je vois pas comment je peux retenir plus parce que j'ai fait toutes les quêtes. J'ai parlé à tous les PNJ qui existent, quasiment. Oui.
what I'm supposed to do. Oui, il faut que j'aille parler aussi aux autres là-bas. J'ai fait quasiment toutes les quêtes que je pouvais faire. Du coup, je pense que dans pas longtemps, on va s'arrêter. Sachant que mon stuff Powa est en train de lâcher. Hein. Bon, je l'aurais fait, hein, je vais pas le refaire. Hein. Je pensais que ça résisterait plus que ça, mais non, en fait, c'est pas terrible. Bref. Du coup, ouais. Il reste pas grand chose. Je pense que c'est la dernière quête des Powa. Je pense que c'est la dernière quête des Mage Guild. Je pense que c'est... oui, donc apparemment il y a une arène. Là il faut que je tue la mort. Voilà, donc à mon avis il n'y en a qu'une seule de quête là-dessus. Les Rider Camp, il m'en reste 3. Je sais pas si je les ferai tous, parce que si je dois me retaper toute la map en entière pour chercher un camp de rider, bah tant pis, hein, j'ai envie de dire. Bon, s'il reste ça, c'est pas grave quoi. La main quest finie, Protector of Arenor fini, Secret Service fini. Et là donc il faut finir la main quest, les Powa, les Mage Guild et les Apolitiques. Hein, et puis après il faut que je parle à Divana again. Et puis voilà. Tout simplement. Il reste pas grand chose. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu, je suis claqué, mais je voulais vraiment que vous ayez du contenu à regarder, et donc du coup, voilà, donc c'est fait, la prochaine fois je repartirai plus en forme que jamais pour finir cette map, et on enchaînera sur une autre map en solo, pas de soucis, je sais déjà laquelle c'est, je sais déjà comment je vais la tourner, je sais déjà comment ça va être fait, tout ça. Il n'y a pas de soucis. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vais aller manger un coup. Et boire un coup. Et me reposer un petit peu. Et voilà, me détendre un petit peu. J'espère que cet épisode vous aura vraiment plu. Et j'espère que cette série vous aura plu en règle générale. Je vous dis ciao ciao. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.